Coucou les petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo anniversaire puisque aujourd'hui c'est mon anniversaire et oui j'ai 21 ans, hein, on va faire semblant que c'est ça et c'est aussi approximativement les 2 ans de ma chaîne YouTube donc pour l'événement, pour ce double événement j'ai décidé de vous offrir des cadeaux parce que je trouve que ça fait un petit peu longtemps que je vous ai pas gâté et j'aime bien vous faire des petits concours régulièrement donc ça va être le cas dans cette vidéo. Mais au fait, est-ce que vous savez comment on dit joyeux anniversaire en coréen? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, ça se dit Sengil Chukae ou Chukaamnida. Et en Corée du Sud, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on fait pour un anniversaire et surtout quelle est la chanson que l'on chante. Et bah en fait c'est exactement pareil qu'en France et la chanson et bah c'est la même chose sauf que c'est en coréen. Donc ça va être... Donc il faut juste connaître cette petite phrase en coréen, Sengil Chukaamnida, pour pouvoir chanter un joyeux anniversaire en coréen. Voilà, c'est très très simple. Donc voilà, c'était la petite parenthèse culturelle parce que je voulais quand même vous apprendre quelque chose dans cette vidéo pour ceux qui ne le savaient peut-être pas encore. Et je reviens tout de suite au concours. Donc il va y avoir un concours divisé en deux parties. La première partie va se dérouler sur YouTube, donc grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir participer à ce concours en partenariat avec Tantoki, avec qui j'ai déjà pu faire du unboxing de Kawaii Box. Et justement, Tantoki et moi, on vous a préparé une Nunaya Box. Donc c'est une box avec plein de choses très mignonnes à l'intérieur que j'ai choisi avec Tantoki. Attention, voici comment participer tout de suite. Puisque j'organise ces concours pour mes abonnés, pour les remercier de leur fidélité et de m'apporter tout leur soutien, la première condition pour participer à ce concours, c'est d'être abonné à ma chaîne. Donc si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner tout de suite. Je mets un lien d'abonnement direct là quelque part. Voilà, maintenant que tu es abonné, tu peux participer. Et ce que je t'invite à faire, c'est de liker la page Facebook de Tantoki. Je mettrai le lien dans la barre info en bas de la vidéo. Et troisième chose, je vais te demander d'écrire un petit commentaire sous la vidéo dans lequel tu vas me dire ce que tu trouves mignon en Asie, que ce soit au Japon, en Corée du Sud. Voilà, qu'est-ce qui pour toi te paraît mignon, kawaii, dans ces pays-là que tu aimes tant. La deuxième partie de ce concours va se dérouler sur Facebook avec la boutique en ligne Trésor de Corée. Donc c'est une boutique qui vend des objets traditionnels coréens de très grande qualité et je connais personnellement les personnes qui gèrent cette boutique que j'apprécie énormément. Donc ça me fait très très plaisir de enfin pouvoir faire un partenariat avec eux et de vous offrir de magnifiques cadeaux de qualité. Alors pour ce faire, je vous invite simplement à me retrouver sur ma page Facebook où vous allez avoir toutes les instructions nécessaires pour participer à ce deuxième concours, sachant que vous avez le droit de participer sous ma vidéo pour le concours avec Tantoki et également sur Facebook pour le concours avec Trésor de Corée. Ce concours YouTube et Facebook est organisé du 11 au 31 mars et je publierai l'annonce des gagnants sur ma page Facebook. Comme c'est un jour un petit peu spécial pour moi, puisque voilà, c'est mon anniversaire et puis que ça fait aussi 2 ans que ma chaîne existe, j'ai mis en place une petite cagnotte, donc c'est la toute première fois que je fais ça. Mais je dois vous avouer que là, ma chaîne évolue et malheureusement, je ne peux pas faire évoluer mes vidéos en termes de qualité parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter du matériel professionnel tout simplement. Et puis que ça me frustre vraiment parce que voilà, je vois mon nombre d'abonnés augmenter, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à me laisser des commentaires, des encouragements. Mais malheureusement, je ne peux pas vous fournir des vidéos de qualité en termes techniques et c'est vrai que ça commence à mettre vraiment mal à l'aise, mais malheureusement je n'ai pas les moyens de m'équiper actuellement. Donc j'ai mis en place une petite cagnotte que je vais activer du 11 au 31 mars, donc voilà, c'est la cagnotte anniversaire de Nunaya tout simplement. Et sachez que tous les dons que je vais récolter, je les utiliserai uniquement pour m'acheter du matériel
pour mes vidéos. C'est-à-dire, en priorité, ça va être un micro, ensuite ça va être une nouvelle caméra, parce que là j'ai un appareil photo compact et c'est la catastrophe. Et puis aussi une formation professionnelle pour pouvoir me former sur un nouveau logiciel de montage vidéo pour faire des vidéos plus pro. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois choses pour lesquelles j'ai besoin d'un petit peu de sous pour vous présenter des vidéos de meilleure qualité à l'avenir. Alors ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas participer, ça n'a aucune importance. Pour moi, ce qui est important, c'est que vous continuez à me suivre, à m'encourager, à me dire que je vous ai fait sourire, que je vous ai aidé. Ça, c'est vraiment ce qui me comble le plus de bonheur. L'argent, je m'en fous complètement. Simplement, c'est vrai qu'à un moment donné, ben, quand on veut essayer d'évoluer, on a besoin d'avoir des outils un peu plus professionnels. Et là, ça me manque pour le moment. Il n'y aura pas de favoritisme par rapport au concours. C'est vraiment totalement indépendant du concours. Mais en tout cas, votre coup de pouce sera toujours le bienvenu. Le plus important, c'est que vous soyez abonné à ma chaîne. Ça, vraiment, c'est la chose qui m'encourage le plus quand je vois le nombre d'abonnés qui augmente. Et aussi que vous likiez mes vidéos, dont celle-ci, si vous avez apprécié le concours. Et je vous dis à très très bientôt sur Facebook, Instagram, Twitter, voilà. À plus !